dans le secteur résidentiel, suite à plusieurs visites de maison pour service de climatisation à des clients ayant acheté une propriété avec un dépôt minimum. Après un an à cinq ans de leur achat, ils ont un problème avec leur climatisation, perte de réfrigérant R22. Ce réfrigérant N n'est plus disponible, donc ils doivent remplacer leur système de climatisation de plus de 10 ans, soit mural ou central, des investissements de 4 000 à 15 000 $ N ayant crédit au maximum trop engage financièrement. La banque refuse un prêt de remplacement de chauffage et climatisation, donc pris dans cette mauvaise situation, doivent penser à revendre leur maison, ce qui est terrible pour eux et leurs enfants. Donc, le meilleur conseil que je peux donner à un agent immeuble pensant au bien-être de son futur acheteur de maison à achat de maison, partir avec un système de climatisation neuf pour les prochains 25 ans à venir avec une garantie de 10 ans pièce ER, main des œuvres, tout cela étant mis sur son hypothèque, et vous agent immeuble, vous serez satisfait du bon conseil donné à votre client pour sa protection financière et cela ne vous coûte rien de votre part. Point aussi, les inspecteurs en bâtiment mentionneront climatisation et chauffage neuf, cela aura une plus-value pour la propriété. OSIC a reçu plusieurs plaintes de clients ayant été mal conseillés à achat de maison. La négligence a visé un client, un chauffage de 7 ans et plus doit être changé dans les 5 ans à venir car son réfrigérant R22N n'est plus disponible. Ceci est à titre informatif seulement, c'est à vous de prendre les bonnes décisions pour la protection de votre client. Ne pas le déclarer est une faute et une omission que personne aime à avoir à son dossier de OSIC qui est ange gardien des consommateurs et on était avisé de tout cela que vous pouvez voir sur YouTube Michel Fortin et OSIC ainsi que Michel Fortin et inspecteur en bâtiment sur YouTube. Par Michel Fortin Thermopompe.